pour révéler la discipline. L'église que Jésus-Christ a rachetée au prix de son sang, de vivre dans la tempérance, la pureté, la paix, la justice et la piété. De donner par votre vie de famille et votre fidélité le témoignage d'une vie régénérée par l'Évangile. D'employer toutes vos forces et tout votre temps pour le service de Dieu et pour l'accomplissement de votre ministère et de vous appliquer à remplir avec le secours de Dieu tous les devoirs d'un bon ministre de l'Évangile et d'un fidèle serviteur de l'Église chrétienne. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu, si c'est bien cela, la promesse que vous faites ce jour, en levant la main droite, vous répondez en disant, chacun oui, je le promets. Jésus-Christ est le Seigneur qui me vient en aide.
l'imposition des mains et par la prière, la charge de pasteur dans l'église évangélique du Cameroun. Le droit de prêcher et d'enseigner la parole, d'administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène, de bénir les mariages contractés selon les lois civiles et religieuses, et de remplir toute autre fonction du ministère évangélique que pourrait vous confier le synode général de l'Église. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Saint-Esprit sur tes serviteurs que nous consacrons, pasteur, dans ton Église. Amen. Amen.
pourra les frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie en abondance. Amen. Amen. Ce soir spécial où nous partons, n'est-ce pas, où nous revenons de Fumban dans la région synodale du Nord avec, n'est-ce pas, une nouvelle tenue que le Seigneur, n'est-ce pas, a permis à son serviteur le pasteur Nono Mathieu Wilfried qui dimanche dernier était avec quoi? C'est fini. Amen. Un grand, grand merci à chacun et chacune de vous. Vous tous, je dis jusqu'au plus petit, du plus petit jusqu'au plus grand, avez bataillé, avez lutté, avez investi de vos moyens pour que, n'est-ce pas, nous soyons ici ce soir en train de célébrer le Seigneur. Nous vous disons sincèrement merci. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, bonsoir. 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 Ce 16 avril, le message d'exhortation que l'Église nous a confié se trouve dans l'Évangile de Jean, en son chapitre 20, les versets 21 à 31, qui nous parle de la paix. Il nous a été demandé à nous, pasteurs et au peuple de Dieu, de semer ou de cultiver la paix autour de nous, de vivre dans la paix, de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et pendant que nous recevons cette interpellation, Dieu, dans sa grâce, nous le comprend que notre mission également dans cette communauté, c'est de cultiver la paix, c'est de semer la paix, c'est que chacun se sente à l'aise où il se trouve dans son groupe. Le Seigneur nous appelle également à vivre cette unité. Il a pu vivre cette unité avec ses disciples. Il nous a dit qu'on reconnaît le vrai chrétien au travers de ses fruits. Le fruit que le chrétien porte. Souvent nous avons l'habitude de dire, je suis enfant de Dieu, mais est-ce que je cultive la paix autour de moi? Est-ce que mon entourage est heureux me voyant vivre? Est-ce que je suis en paix avec tous ceux que je rencontre? Bien-aimé peuple de Dieu, voilà l'interpellation que le Seigneur nous a adressée ce matin à Fumban. Ça a été un moment assez exceptionnel où nous avons eu à prendre des engagements. Que si nous voulons les respecter, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la présence ou la force de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas mais parler de Dieu. On est capable d'arriver à respecter ses engagements. Le Seigneur nous envoie en mission. Le Seigneur nous recommande d'aller en mission et de faire de toutes les nations
les disciples, les enseignants à respecter tout ce qu'il apprécie, y compris en disant, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette assurance que Christ, l'auteur de la paix, nous conduira tout au long de notre ministère dans cette communauté. Et nous voulons que ce soit avec le comité, le conseil ancien, les chrétiens, vivre dans la paix et rechercher la paix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà l'interpellation que le Seigneur nous a adressée en ce matin. Et nous voulons partager cette interpellation avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons, après cette interpellation, manifester notre action de grâce au Seigneur. La jeunesse se charge de conduire ce moment pendant que les anciens vont prendre les dispositions pour que nous puissions célébrer le Seigneur. La jeunesse. Et donne le degré toujours accroché à toi. Toi le Dieu
de toute vie. Rappelle-nous ta présence, Seigneur, pour te voir. Pour que nous puissions jour après jour contempler tes grâces et tes merveilles dans nos vies. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous envoies le Saint-Esprit qui nous console, qui nous instruit, qui nous conduit. Pendant cette semaine, Seigneur, tu conduis ton peuple. Conduis nos vies, conduis nos chemins et donne toujours de célébrer et de magnifier. Merci parce que toi, l'auteur de toute vie, tu bénis ton peuple ce soir et tu nous raccompagnes. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, nous avons prié. Amen. On se met debout pour recevoir la bénédiction du pasteur fraîchement sorti de Fombal. Il n'a pas fait escale comme les autres ont fait escale partout, mais il est venu spécialement parce qu'il vous aime et pour vous communiquer cette onction spécialement ce soir. Alors le pasteur va bénir le peuple de Dieu dans ce soir. Pasteur. Maintenant, je vous recommande à la grâce de Dieu. Que le Dieu de paix, que le Dieu d'amour, que le Dieu sans pareil, le Dieu fidèle, vous conduise tout au long de cette semaine, qui déverse sur vous ses grâces, ses bénédictions en abondance, qui vous couvre de son onction, allez dans sa paix, allez dans sa joie, allez dans cette assurance qu'il est avec vous, dès maintenant et pour toujours. Ne promenez pas les regards inquiets. Car il est avec vous, il vous soutient. Demeurez fidèle et vous verrez sa gloire. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de bonheur vous remplisse de ses grâces au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci, pasteur. Merci, mais on s'assoit 2 minutes. Alors, je vous demande cette grâce. Je ne te laisse pas que honorablement. Donc, tu sais la clave est très fort, parce que là, je serai, s'il te plaît, salue ton époux. Salue ton époux vaillamment. S'il vous plaît, salue ton époux vaillamment. Voilà, merci. Alors, ça serait la première étape, s'il vous plaît. Vous savez, on dit souvent qu'un grand homme se trouve une grande femme. Mais moi, je dis, à côté d'un grand homme, se trouve, n'est-ce pas, une grande femme. Merci beaucoup, Romanet, pour tous les sacrifices, tous les efforts que Dieu t'a utilisé, n'est-ce pas, de fournir pour que ceci soit rendu possible. Que le Seigneur bénisse. Alors maintenant, vous allez serrer la main spécialement. On n'embrasse pas le pasteur. On va serrer les mains. Oh,
Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre quand il avait ma libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre quand il avait ma libéré. Je suis Nazareth.